Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec notre boutique chouchou VIP Cross Stitch. Voilà, donc vous saurez que c'est de la broderie automatiquement. Je dis boutique chouchou parce que c'est vrai que c'est vraiment le top chez eux. Il y a un choix phénoménal de broderie. Que ce soit du point compté, que ce soit de l'estampé, des petits accessoires à broder, du petit matériel pour broder, voilà, il y a de tout. Donc si vous ne connaissez pas encore, courez, allez voir. Alors, et je crois, alors, oups, j'ai oublié de marquer, je jette un œil, hein. Vous allez voir que j'ai... Non, je n'ai pas marqué sur mon carnet, mais de mémoire, je crois que j'ai un code promo à vous mettre sur la vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai deux accessoires à vous présenter et une broderie, bien sûr. Alors, je vais commencer par les accessoires, comme ça, après la broderie, on la fera face bureau, ce sera beaucoup plus convivial et pratique. Pour vous montrer en détail cette jolie broderie. Alors, allez, on va faire du bruit. On fait des bruits ASMR avec le plastique. Ceux qui ne connaissent pas l'ASMR, vous tapez ASMR dans YouTube et vous allez voir plein de vidéos. Moi, j'adore ça. Ça déstresse. Bon, c'est pas le sujet du jour. Alors, j'ai pris ce lot de trifil. Voilà. Alors, est-ce que si je mets une petite lumière, on voit mieux? Oui, un peu. Voilà. Un couleur parme, couleur beige, beige rosé, un bleu ciel, un jaune. Et un violet. Alors, chacun ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ont 20 trous. Donc, 20. Et vous en avez encore, si vous voulez, là, les petits cœurs, vous pouvez encore en mettre un petit peu en haut et en bas. Donc, il y a 20 emplacements pour mettre votre fil. Alors, ils ne sont pas numérotés. Moi, ce que je vais faire, j'ai des petits stickers avec des numéros. Donc, je vais rajouter les numéros ici avec le nombre de plaques que je vais avoir besoin pour une prochaine broderie. Voilà. Alors, je crois que je vais peut-être les utiliser pour celles que je suis en train de faire. Je vais voir. Je vais voir comment je ferai. Donc là, vous avez donc ces 5 trifils en place. Ils sont en plastique, mais ça va. Vous hein, voyez, ils sont solides. Sont jolis, les trous sont hexagonaux. Ouais, je fais, voilà, hexagonal ou hexagonaux? Où j'ai un trou hexagonal, des hexagonales, des hexagonaux. Je sais plus. Non, c'est pas un mot qu'on dit tous les jours. Hein. Bon, si quelqu'un veut me corriger, allez-y, n'hésitez pas. J'ai pas le bled sous la main. Donc voilà. Le prix, voilà. Non, j'ai un truc qui m'est passé d'un coup dans la tête que j'ai oublié de faire. Et puis, voilà, c'était quelque chose d'important et j'ai oublié. C'est bon, c'est pas grave. Alors, le prix pour ces 5 plaquettes, ça y est, je suis complètement perturbée, hein, vous avez vu. 4,72 €. Ça va, c'est pas cher. Allez, non, je referai le plastique après. Ensuite, alors, il m'avait fait deux envois, mais je les ai reçus en même temps, mais celui-là était dans une petite pochette à part. Alors, attendez, il y a un gros plastique, voilà. Vous voyez, un truc comme ça.
C'est alors, comment ça s'appelle ça? C'est un bloc de cire d'abeille. Voilà. Bon, là, je l'ai déjà enlevé de son papier. De toute façon, le papier, il est tout plié. Donc, on s'en fout. Voilà. C'est le bloc de cire d'abeille. Voilà. Je vous en ai déjà parlé hein, dans mes vidéos. Ça va vous servir à cirer vos fils, surtout les métalliques. Quand vous utilisez du fil métallique, bon conseil, utilisez ça. Vous allez prendre votre fil et là, vous voyez, il y a des petites fentes, mais je vous ferai une vidéo. Vous allez passer votre fil dedans et puis vous tirez pour que la cire se mette sur tout votre fil. Le seul petit inconvénient, enfin non, ça n'en est pas vraiment un, hein, c'est que si par exemple vous brodez sur de la toile noire, il va y avoir des tout petits dépôts, mais bon, vous prenez un pinceau, vous passez le pinceau, puis ça s'en ira. Sur les toiles foncées, voilà, ça va, il risque d'y avoir un petit peu de dépôt, mais bon, rien de très chagrinant. Donc voilà. Alors, ce petit bloc, il fait 10 grammes. Voilà, c'est un bloc de 10 grammes. Alors, je regarde s'il y a quelque chose. Cire d'abeille avec étui guide renforce les fils, empêche les nœuds. Tiroir et fermeture à glissière s'ouvrent facilement. Voilà. Donc, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Moi, je ne vais pas essayer. Non. Ah, ben, il est scotché. Donc, je vous montrerai ça lors d'une vidéo. Alors, ce petit bloc cire, il est à 4,21 €. Voilà. Vous voyez, je vous remonte de plus près. Avec les petites encoches. Donc, il y en a des deux côtés. Voilà. Donc, pour les accessoires, c'est terminé. On a fini. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais ils vont m'être utiles. La broderie. Alors, je vais enlever tout de suite le plastique. Si je trouve le bout. Ah, ça y est, j'y arrive. J'y arrive. Hop. Alors, c'est une broderie 11 CT, donc elle va se broder avec 3 fils. Et la taille, c'est un 60-40, complet. Quand je dis complet, c'est avec les marges. Voilà. Voilà le dessin. Un joli minou. Vous avez vu le petit minou blanc? Un joli tigre blanc dans l'eau. Voilà. Ensuite, alors. Oui, bravo DIY Crostiche, un bon point. Un grand patron. Ça y est, ils ont compris. Ils nous ont écoutés. Super. Alors, il est sur papier glacé. Alors, sur ce patron. Je le plie en deux parce que du coup, maintenant, il est grand. On n'est jamais content. Jamais. Vous allez retrouver l'image très bien imprimée, pas flou, rien. Et ici, alors en grand. Hein, alors là, si vous avez du mal à lire, c'est vraiment qu'il y a un problème. Alors, attendez, ça brille. Oui, voilà. La légende, donc avec le 1, 2, 3, 4, 5, les symboles au milieu, les références DMC, et ici sur le côté, ce sont les vraies couleurs que l'on va broder. Niveau légende, est-ce qu'on a des soucis de lecture avec différents symboles et couleurs? Non, j'ai
pas l'impression. Ça, on en a qu'un. Là, c'est pas du tout la même couleur, donc ça va. Bon, peut-être le... Ah bon, non, le petit dernier sur le patron est super lisible. Je vérifie avant, hein, puis je vous montre. Pas de problème. Non, tout est très bien, tout est lisible. Bon, juste peut-être celui-là, le 14, mais bon. Moi, c'est parce que j'ai une vue qui est pas très très forte. Même, je suis presque comme une taupe. Voilà, bon, c'est peut-être juste celui-ci. Mais bon, sur le papier, hein, déjà. Voilà. Hop, le petit trait jaune ici. On en a qui sont... Alors, j'aime les voir. Voilà, on en a dans les qui sont mis dans les parties jaunes, là, voyez. Donc, c'est un peu très, un peu clair, mais ça va. Là, c'est sur le papier. Donc, on va voir sur la toile. Mais en tout cas, bravo, bravo, DIY Crustish. C'est super. Donc, même si certaines d'entre vous voudraient le faire en point compté, par exemple... Ça arrive, hein, il y en a qui achètent des kits pour récupérer le patron et récupérer les fils. Et elles le font quand même en point compté, voilà, sur une autre toile. Donc là, si jamais vous voulez le faire en point compté, ben, lecture nickel. Voilà, même moi qui a les yeux de top, ça va super bien. Alors, je vous montre... Je vous remontrerai tout en détail. Là, on a trois aiguilles. Alors, comme c'est du 11CT, ouais, elles ne sont pas pointues. Voilà. Vous voyez, ça pique pas. Et la toile, maintenant, je vais vous la, bien la remontrer en détail, hein, après. Il y a un petit fil qui se promène. Ah, la légende, elle est énorme. Ah ouais, là, là pour la voix, je la vois. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de problème. Il y a du confetti. Il y a du petit confetti. Mais bon... Les points ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Donc, ça va. Ah. Alors, un deuxième petit effort. White Crustish. Ça y est, vous avez trouvé, vous avez compris pour les patrons. Mais maintenant, un petit surfilage autour de la toile. Oui, je sais, je suis chiante. On peut le faire nous-mêmes. Non, mais bon, tous les autres le font, alors. Allez, passez votre toile au surfilage. Et puis, parce que là, on voit, vous voyez. Ça se défait un petit peu, mais bon. On va pas trop leur en demander d'un coup. Allez, voilà la toile. Alors, je vous la montre déjà de loin. Comme Alain. Vous connaissez Alain de loin? Alain Delon. Je suis énervée aujourd'hui. Donc, c'est... Alors, j'ai pas dit. C'est une 40-60 avec 129 points sur 216 points. Ça vous fait... Je vous mettrai là le nombre de points à broder, le nombre de petites croix à broder. C'est toujours sympa de savoir ça. Ça met en forme. Mais là, de tête, non. Donc, je vais vous le rajouter dans l'écran. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer tout ça avec les fils face bureau pour que l'on voit mieux. Et que... soit mieux éclairé pour voir. Allez, donc voilà notre toile. Donc je vais d'abord finir de vous montrer la toile en détail. Ici, vous allez retrouver le dessin. Bon, je vous mettrai une photo, hein, bien sûr. Ici, vous allez retrouver votre légende. Alors vous voyez, elle est écrite super grand. Je vous mets un doigt à côté pour que vous voyez. Vous voyez.
Mais super bien imprimé, sans problème. Yeah. Donc les symboles sont... Ça va aller, hein. Bon, peut-être là aussi. Mais vous voyez, là, mais je vois qu'il y a un fond jaune à celui-là et là, il n'a pas de fond. Donc, on devrait bien le reconnaître. Niveau impression. Bah écoutez, moi ça me semble nickel, hein. C'est bien droit tout ça. Voilà. Et c'est bien imprimé. Donc un peu de confetti, hein, comme je vous avais dit. Quelques mini blocs. Voyez. Ça va. Ça va nickel. Très très bien. Ensuite, les fils, chose importante. Sans fil, on ne peut pas broder. Alors, on a 25 couleurs chez DIY Cross Stitch. De toute façon, on n'en a jamais plus. Donc, on reste sur les 25 couleurs. Et je vous montre ça. Voilà. Un gris perle, un rose, un autre gris, un gris plus foncé, un blanc cassé, un petit bleu ciel, un bleu marine, un vert, un marron, encore un autre bleu marine, un beige, un vert, marron, bleu ciel encore. C'est un autre. Ici, ça c'est un gris rosé. Hein. Deux verts. Il y a beaucoup de verts. Hein. Et les derniers, les voici. Donc des bleus, un bleu canard, un bleu un peu turquoise. Ici, un bleu vert. Des différents marrons. Hop là. Non, arrête. Arrête de flouter. Et le dernier. Ah, ça y est. Pour le dernier, ça va flouter. Un blanc. Enfin, c'est pas un vrai blanc. Non, c'est pas le vrai blanc. C'est le 38 65. Donc voilà pour les couleurs. Très jolies, bien brillantes, très douces. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc notre kit avec son joli patron. Voilà, je vous remontre le patron. Hein. Là, vraiment maintenant, on peut plus râler. Et je vous ai montré également donc le bloc de cire, le prix de la broderie. 10,20 € pour la broderie. Voilà. Le petit bloc de cire et aussi nos 5 trifils, voilà, de différentes couleurs. Ben voilà, j'ai plus rien d'autre à vous montrer pour aujourd'hui. Je profite de la vidéo pour remercier encore, je le fais très souvent par email, mais je les remercie encore pour leur super gentillesse lors de nos échanges par email. Et leur grande générosité aussi pour que l'on puisse vous présenter des articles que... Oh, ça floute. Excusez-moi. que l'on puisse vous présenter des articles nouveaux ou que vous n'auriez jamais vus. Voilà. Donc moi, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir vous présenter de nouvelles choses. Vous retrouverez en barre d'infos donc le lien de la boutique, le lien de tous les articles que je vous ai présentés aujourd'hui, le code promo. Normalement, je vous ai dit, je dois en avoir un, donc je vais vous le mettre également. Et puis, ben voilà.
Rien de spécial d'autre à vous dire. Je vais vous faire des gros bisous et puis on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.